Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Donc cette fois-ci, on retourne dans la licence Persona avec ce Persona 3 Reload, donc en fait une version revisitée, surtout au niveau des graphismes, de Persona 3 qui est sorti donc à l'origine et qui était un peu moins joli. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc sachant que je n'ai pas fait ce Persona 3, donc je vais le découvrir aujourd'hui. Moi j'ai fait le 5 dans la version Royal, Persona 5 Royal, que j'avais fait en Let's Play d'ailleurs. C'est dispo sur la chaîne si vous le souhaitez. Donc Persona 5 Royal, ça avait été vraiment un kiff total. Vraiment, j'ai adoré, 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 adoré. À tel point que il s'est hissé dans mon trio de JRPG préférés, c'est pour vous dire. Alors, le temps n'attend personne. Tous, ils nous emportent vers notre fin. Toi qui veux protéger la lueur de cet avenir limité, tu as un an, pas plus. Va et vis dans le temps qui t'est octroyé. Même en ces jours de paix bienheureux, reste fidèle à la voix de ton cœur. On a un an. On va découvrir un petit peu plus au fil du jeu. Pourquoi cette phrase mystérieuse? Donc je ne sais pas du tout si vous connaissez Persona. Vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc si vous connaissez la licence ou pas. Donc Persona, en général, ça prend place au Japon, dans un environnement, comment dire, connu, mais effectivement à la sauce Persona. Mais ça s'inscrit vraiment dans quelque chose qui est réaliste en fait. Oh, je dois le porter à mon front et presser la détente, pardon. Ok, c'est assez. Ouais. C'est étrangement calme cette gare là. Minuit, oups, changement d'ambiance là, il se passe quelque chose. Wow. Alors, ça n'a pas l'air de l'étonner plus que ça. C'est en relation avec ce qu'il porte autour du cou. C'est dégueu en fait. Ouais, il n'a pas l'air perturbé. Pourtant, c'est. Je suis arrivée trop tard, je devrais me dépêcher. Je sais pas, tu te rends pas compte qu'il y a un truc qui va pas là? Alors, il cherche le dortoir. C'est là que je vais habiter à partir de maintenant. L'entrée devrait se trouver un peu plus loin. Ah, c'est dégueu, je peux pas marcher là-dedans. Ah, attends, on va voir, juste voir. Hein. Les interactions. C'est la gare tout entière qui est en chantier. Non, mais tu te rends pas compte qu'il y a du sang par terre là? Ascenseur. Aucun bouton allumé, l'ascenseur doit être HS. Clôture vérifiée, l'endroit a l'air en chantier. Ouais, ok. Là, il disait quoi? Vérifier chantier, j'imagine que c'est pareil. C'est quoi par là? Rue commerçante. C'est juste hyper oppressant. Qu'est-ce que c'est que ça, des cercueils?
serait pas un cercueil. Bah, ça y ressemble, hein, en tout cas. Oh là là. Se rendre au dortoir. Oh, bah, on est bien content de partir de là, mais bon, qu'est-ce qui nous attend? Oh. Mais même pas, je rentre dans un truc pareil, moi. Personal trap. Reload. Personal free. Reload. Si on veut aller jusqu'au bout. Salut. Welcome. Qu'est-ce que c'est que ça? You're late. I've been waiting a long time. If you wish to proceed, sign your name here. It's a contract. Ça fait très signer un contrat avec le diable, je sais pas pour vous. There's no need to be scared. Ouais, tu crois? All it says is that you accept full responsibility for your actions. C'est très très étrange quand même. Ah, ok. Alors, donc dans les personnages, c'est souvent, c'est tout le temps comme ça. On doit choisir notre petit nom. A priori, je suis un garçon. Donc, Midnaïla, ça fait un petit peu féminin. On va mettre mon petit surnom. C'est Mid. Ou alors, je mets un prénom japonais. Ouais, remarque, tiens. Allez. Et nom de famille. Tiens, alors ça, il n'y a que moi qui vais comprendre, mais je fais ça. Utiro. Voilà. C'est très bien. Good. Time is something no one can escape. It delivers us all to the same end. You can't plug your ears or cover your eyes. T'es pas glauque, toi, déjà, petit enfant. And so, it begins. Et c'est ainsi que tout commence. Who's there? Qui est là? How are you here at this hour? C'est moi ou elle ressemble à la jeune fille qu'on a vu au début qui semblait vouloir mettre fin à ses jours. Don't tell me. Wait. Ah. L'atmosphère change, on a l'impression de revenir un peu dans la réalité en fait. Donc je préfère pas trop en dire si vous connaissez pas la licence. Franchement, ça serait sympa de, bah, de vous lancer avec celui-là. Bon, bah, après, Persona 5, il a vraiment mes faveurs. Mais bon, celui-ci, il faut voir, hein, faut voir ce que ça va donner. A priori, on est arrivé très tard. My name is Mitsuru Kirijo. I'm one of the students who live in the storm. Ok. Who's he? He's a transfer student. It was a last-minute decision to assign him here. Voilà, a priori, je suis un nouvel élève. Ça s'est décidé vraiment, donc, bah, comme elle dit, à la dernière minute, que j'arrive ici. Donc, a priori, c'est
c'était pas prévu au programme, en tout cas pas depuis longtemps. Ok, donc ça veut dire que je vais dans le dortoir des filles. Il ne devait plus y avoir de place dans le dortoir des garçons, a priori. Is it okay for him to be here? I guess we'll see. Oh, mais je pense que je vais pas faire d'histoire, moi. This is Yukari Takeba. She'll be a second year this spring, just like you. Elle sera en deuxième année ce printemps comme toi, ok. Call me Takeba. Tu peux m'appeler Takeba. Pourquoi tu as une arme? Huh? Well, it's sort of like a hobby. Un hobby, une passion. Sérieux? I mean, not a hobby, but... Mais bon, bref. You know how it is these days. It's for self-defense. D'accord. It's not a real gun, of course. Ah bon, c'est pas une vraie. It's getting late. You'll find your room at the end of the hall on the second floor. Ok, donc il faut que j'aille au premier étage. Your things should already be there. Why don't you get some rest? Oh, I'll show you the way. Follow me. Ok, donc du coup, je vais pas avoir à chercher, elle va me guider. Here's your room. Pretty easy to remember, huh? Since it's all the way at the end here. Do you have any questions? Alors... on va prendre celle-ci. What kid? What are you talking about? Come on, that's not funny. A priori, non, elle voit pas du tout de quoi je parle. De toute façon, oui, on était clairement pas dans la même. Quoi? Je peux te demander un truc, vas-y. Was everything okay? Bien sûr que si, on a remarqué quelque chose d'étrange. Non? Comment ça? Comment ça? You don't know? Un petit menteur. Tu ne cours donc sûrement aucun risque. Ok. Tout ça est très mystérieux quand même. Don't worry about it then. I'd better get going. Ok, ben bah écoute, bonne nuit. Hein. I'm sure you still have questions, but let's save them for later, okay? Good night. Ok, donc me voilà dans la chambre. Donc, bah, je vais en profiter pour vous donner 2-3 éléments sans spoiler au cas où. Donc, de toute façon, les personnages sont un peu conçus de cette façon. On a des séquences de journée. On fait pas, comment dire, c'est pas une journée qui passe et on fait un petit peu librement ce qu'on veut. On a des séquences qui sont un peu imposées, en fait. Ranger mes affaires dans le placard, ok. Et voilà, ça se découpe comme ça, en fait. Ok. Ok. On peut utiliser un emplacement réseau pour sauvegarder nos données, en fait. Ou alors... du coup, les données de jeu sauvegardées à l'aide de cette méthode peuvent être transférées de la PlayStation 4 à la PlayStation 5. Oui, sauf que... Bah, ah oui, je vous ai pas dit. Moi, je joue sur PS5. C'est un jeu PS4, hein, de base. Mais on peut y jouer sur PS5. Alors, cependant, les trophées gagnés sur une console ne seront pas transférés vers la console sur laquelle vous transférez vos données de sauvegarde. Ça paraît logique, en fait, c'est indépendant. Certains trophées ne peuvent être obtenus que si vous lancez une nouvelle partie ou si vous avez effacé des données. De même, les trophées basés sur des valeurs numériques, comme le fait d'accomplir une action un certain nombre de fois ou d'atteindre une certaine quantité de quelque chose, seront remis à zéro si vous transférez vos données vers une autre console. D'accord. Lorsque vous sauvegardez la partie, une part de votre passé est également sauvegardée. Vous pouvez y revenir en ouvrant
le menu avec triangle, puis en naviguant dans Système et en sectionnant Retour en arrière. Quand vous sectionnez un emplacement de retour arrière, vous revenez à un point où vous pouviez vous déplacer librement juste avant votre sauvegarde. Ok. Notez que la fonction retour arrière ne sauvegarde pas automatiquement votre nouveau point de départ. Si vous utilisez cette fonction, veillez à continuer à sauvegarder votre partie si nécessaire. Bon, on verra ça dans la pratique. Il y a des tutoriels, donc toujours dans le menu triangle, naviguant dans système et en sélectionnant tutoriel. Si toutefois on a oublié, on peut retourner voir un peu ce qui se passe. Ça c'est quoi? C'est un frigo et un miroir. Tiens, miroir, qu'est-ce qu'il me dit? On refait à la fatiguée. Je devrais ranger mes affaires et me coucher. Voilà, c'est un peu le principe. On a des indications, on est quand même vachement guidé, hein. C'est pas le truc où on se promène librement. Je devrais ranger mes affaires dans le placard, ok, ça y est, c'est fait. Et puis, je crois qu'il faut que j'aille me coucher de toute façon, utiliser le bureau, non, ouais. Bien, écoute, allons-y. Allez dormir, les cours commencent demain. Je devrais me coucher tôt afin d'être prêt pour le premier jour. Et ben voilà, c'est parti. Donc c'est vraiment, voilà, vous voyez, voilà, les journées comme ça vont s'enchaîner et on aura des choses à faire chaque jour. Évidemment, c'est pas un jeu qui consiste uniquement à faire des choses chaque jour. On est sur du JRPG, il y aura des combats. et j'ai hâte. Bonjour. Good morning. Did you sleep okay? I've been asked to show you the way to school. Okay. Ready to go? Ouais, ready to go. Un peu. Great. Let's set out. C'est parti. This is how we'll be getting to school every day. It's a monorail. Pretty cool, huh? Je ne sais pas ce que ça aurait fait si j'avais répondu, je me débrouillerais. J'aurais vraiment dû y aller tout seul. Oh, by the way, our school's at the last stop on this line. It's called Tatsumi Port Island. Ça, c'est un détail, mais bon, ça m'aurait intrigué de savoir. And our school's smack dab in the middle. Oh, look, there it is now. Ben, du coup, je regarderai bien le début de jeu d'autres personnes pour savoir s'ils ont fait un autre choix et s'il y a une conséquence quelconque ou pas. Morning. Well, here we are. Allow me to welcome you to Gekkoukan High School. I hope you like it. Ben, j'espère aussi qu'on va s'y plaire. Mais bon, il va. Ça va pas être de tourpeau, c'est clair. Oui, on va s'en sortir. Let's see. I guess you should go see your homeroom teacher first. The faculty office is over there on the left. They'll tell you more when you get there. À gauche, et ils m'en diront plus quand j'y serai. Ok. Tu es dans quelle classe? Me? I don't know. I haven't looked at the classroom assignments yet. On ne sait pas encore. Mais à tous les coups, on va dans la même classe. Vous allez voir. À propos d'hier soir, ne dis rien à personne. C'est-à-dire? Mais qu'est-ce qu'il y avait à dire? Ouais, c'est un peu spécial. Une foule est en train de se former devant le tableau d'affichage. Je vais peut-être jeter un coup d'œil avant d'aller à la salle des professeurs. Alors, observez les environs. Ok. Ok, ok, ok. Ça, c'est assez classique. Ok, on peut faire comme ça. On va voir ça. Ok. On fait un petit récapitulatif de ce qui a été dit. Donc, on peut écouter, voilà, tous ceux qui sont comme ça. On peut écouter ce qu'il dit. Alors, vérifier. La liste des classes est affichée. Mon nom a été ajouté sur un petit papier sur le côté. Ouais, bah oui, si j'étais pas prévu. Classe 2F Takumi Ujiro. Tiens, il y a Yukari Takeba sur la liste. Ah bah tiens. Ah bah voilà. Forcément. Ok. Donc, on a un plan en bas, à gauche. Et on a a priori
quelques indications pour aller à faire voir qu'est-ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui fait que son casque? Un casque de samouraï, c'est original. Écoute bien, un homme, un vrai, doit toujours garder l'âme de feu d'un samouraï. Le programme. On va laisser parler. Le programme de ce lycée cultive l'esprit samouraï chez les élèves afin qu'ils puissent apporter leur contribution à la société. Oh là là, how wonderful! I wish to set my soul on fire and learn the ways of the great samurai also. Great samurai! That's what I like to hear, my boy! Though you hail from a foreign land, the samurai spirit burns within you all the same. C'est rigolo. Donc on va aller à la salle des professeurs qui semble être là. Par contre, je n'ai pas regardé. Entrée. Si on pouvait avoir l'audio en japonais. Pareil, un petit point à vérifier. En tout cas, l'avantage de cette version, c'est que c'est traduit en français. Parce que c'était pas le cas, je crois, sur la version originale. Tout était en anglais, me semble-t-il. You're a second year, correct? Yes. Wow, you've lived in a lot of different places. Bah apparemment, ouais. Pour qui, pourquoi? Let's see. 10 years ago, your parents. Ah, ça pue. Ça veut dire qu'il a perdu ses parents. I'm sorry. I've been so busy. I didn't have time to read this beforehand. Il est orphelin. I'm Miss Toriumi. I teach composition. Welcome to our school. Merci. Have you seen the classroom assignments? You're in 2F. That's my class. C'est elle mon professeur principal du coup. But first, we need to go to the auditorium. The welcoming ceremony will be starting soon. Ah, OK. Come on. I'll show you the way. I follow you. And so, another new school year is upon us. I'd like each of you to remember the proverb. If a job's worth doing, it's worth doing well. When applied to student life, this means... Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hey! Bla bla bla! You came to school with Takeba-san this morning, right? Ce matin, tu es venu au lycée avec Takeba, non? I saw you two walking together. You must be pretty close, huh? Je vous ai vu marcher ensemble, vous devez être proches, hein? What's the deal between you and her? Il y a un truc entre elle et toi? Oh, and does she have a boyfriend? Nobody seems to know. Est-ce qu'elle a un copain? Personne ne le sait. Je sais pas, je la connais pas. Je l'ai rencontrée hier soir. Non. On a juste marché ensemble. Wait. How close are you guys? On n'est pas proches du tout. Who's that? Someone's talking. Sounds like it's coming from Miss Toriumi's class. Hey, shh, be quiet. You're gonna get me in trouble. D'accord. Moi, j'ai rien demandé, moi. On va pas faire de coup. On veut pas d'embrouille. Et tu es? Me. Me. Call me Junpei. Junpei Yuri. Junpei. I transferred here when I was a second year in middle school. It's pretty tough being the new kid at first, you know? Pourquoi ce serait galère d'être petit nouveau? So, I just wanted to say, hey, see what a nice guy I am? Yuka. Didn't think we'd be in the same class again. There you go again, acting like everybody's best friend. Try not to make him uncomfortable, okay? What?
Bah oui, normalement, on n'est pas censé reprocher à quelqu'un de vouloir être sympa. If you say so. Anyway, who'd have thought we'd be in the same homeroom? On va mettre ça, tiens. C'est le destin. Ah, je n'ai pas assez encouragé. Ah oui, d'accord. Donc on va avoir une étoile de... Comment dire Ça, c'est typique aussi. On va devoir remplir, en fait, des jauges, en quelque sorte, de courage, de... de sympathie, par exemple. Enfin, il y a pas mal de... Plusieurs branches à l'étoile à remplir en fonction de nos actions. Je pourrais peut-être sortir ce genre de réplique si j'étais au moins ferme. Anyway, who'd have thought we'd be in the same home room? Donc ça veut dire qu'il faut que je réponde autre chose. Et ben oui, on va dire oui, c'est une coïncidence. No, but still, I was a little surprised. Hello? Are you forgetting I'm in this class too? Ah, du coup, il est dans la classe. Anyway, gotta ask. I heard you guys walk to school together. Bah décidément, ils ont l'air vraiment très intrigués. What's up with that? Come on, get the dirt. Huh? What are you talking about? We just happen to live in the same dorm. Why do people always jump to conclusions? Have rumors been spreading about this already? Now I'm worried. You didn't tell anyone about you know what, did you? Franchement, je vois pas de quoi elle parle. Don't tell me you forgot already. Seriously, don't say anything about last night, okay? C'est de plus en plus mystérieux, je vois pas de quoi elle parle en fait, putain. Wait a minute, don't get the wrong idea. Listen, I just met him yesterday, and there is absolutely nothing between us. Jeez. I have to go now. There's something I need to take care of for the archery team. You better not start any more rumors. Un club d'archery. Oh. Enfin, c'est un, voilà une petite un petit détail. J'adore l'arc, hein. C'est mon arme préférée en général dans les jeux. Alors on s'en tape, tout le monde s'en fout des rumeurs de toute façon. Elle est vraiment parano. C'est ton premier jour ici et tout le monde parle déjà de toi. Elle est plutôt populaire, ouais, bah ça c'est ce qui ressort, hein. Tu gères, mec. Donc en fait, du coup, vu que j'ai été vu avec une fille très populaire. Bon, on verra, j'espère. Hein. T'es prêt à partir, on peut aller à la gare ensemble. Ok, si tu veux partir, tu vas à l'entrée principale, mais sinon on peut éventuellement égrener toutes les lignes de dialogue, ce qui va pas être forcément très intéressant, je pense. Une nouvelle année scolaire, c'est rude, nouveau prof, nouvelle classe, devoir redémarrer comme à chaque... Redémarrer comme ça chaque année, c'est éreintant. Si tu essaies de partir, c'est un étage plus bas, t'as oublié ou quoi? Non, mais voilà, je voulais juste te parler, moi, il y a une ligne de dialogue, alors je l'ai. Un étage plus bas pour partir. Alors, on va... Bon, pour le plaisir. On va... discuter. Tu viens d'arriver dans notre lycée. Bon, pour que tu saches, la seule personne qui m'intéresse, c'est Mitsu Kirijo. Elle était resplendissante à la cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle année scolaire que les élèves doivent se déchaîner.
C'est à moi de faire régner l'ordre, enfin une fois que je serai officiellement devenu membre du comité disciplinaire. Tu fais à nouveau ta tête dégrillée, Odagiri. Certaines choses ne changent jamais, visiblement. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous dites? T'as entendu, le nouveau sera en 2F. C'est moi. Oh là là, et s'il était super mignon, tu veux aller jeter un œil? Oui, apparemment, il habite au dortoir d'Todai, celui où habite Yukari Takebai. Enfin, décidément, oui. Mais c'est bizarre de changer de lycée en deuxième année, si ça se trouve, il causait des problèmes où il était avant. Ok, ben, je pense pas que ce soit ça, mais on en apprendra plus un peu plus tard. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Du coup, j'hésite. J'hésite. Est-ce que je fais un let's play qui va s'étaler sur un certain temps, parce que déjà c'est des jeux qui sont très longs et en plus de ça je n'ai pas énormément de temps. Donc soit je fais un let's play, soit je le fais tout seul de mon côté. Mais au moins je ferai à ce moment-là une vidéo pour vous montrer la partie combat. Parce que parfois dans les personnages c'est très long avant de se mettre en place. On peut jouer encore un petit moment avant de pouvoir avoir un aperçu de cette partie-là. Donc je ne sais pas encore. On se retrouvera soit pour une deuxième vidéo découverte des combats cette fois-ci, soit soit j'enchaînerai sur un let's play. Voilà. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Parce que ça demande du temps. On verra ça. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a déjà donné une première idée de ce que c'est un Persona, si vous ne le connaissiez pas. Et si vous connaissez déjà, que ça vous a donné envie de découvrir celui-ci, si vous ne le connaissiez pas encore. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine. Ciao !